give up, never to give in against all odds. Yet still I rise high above the clouds. At times I feel low, yet still I. At times I feel low, yet still I. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très heureux et reconnaissants vers le ciel pour le privilège de nous retrouver ensemble encore ce matin pour ce service d'adoration à la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous voir tous et nous sommes convaincus que la grâce du Seigneur est sur vous tous. Je vous regarde ce matin et je réalise que votre visage est d'une beauté toute particulière. Je réalise que au micro, je dois penser le pouvoir, mais le pas qu'à changer visage. Non. Et bien ça, bien aimé. C'est penser le penser, mais le pas gagner vrai. Donc, nous croyons que le vrai pouvoir, c'est l'homme laissé lui. Amen. Amen. Nous disons Dieu merci. Bon, il est bagage, ça, il est. Faut mal l'école pour moi comment pour l'ouvrir lui. Par contre toi comment pour l'ouvrir lui. Pinala, is that okay? On ouvre Bible nous dans le livre de Matthieu et dans le livre de Matthieu nous allons lire ensemble au chapitre en premier le verset 17. Matthieu, chapitre 1er et le verset 17, il est dit ce qui suit. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Prions le Seigneur. Notre Père bien-aimé, nous voulons te dire merci pour avoir été avec nous encore ce matin. Merci de nous avoir conduits jusqu'à ce point dans le service. Et merci pour tes faveurs et grâces. Merci pour le privilège de nous tourner vers toi encore ce matin et de t'adorer en esprit et en vérité. Et merci de ce que tu nous places encore sur cette chair pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tes enfants. Viens par ton esprit, viens par ton amour, viens par ta grâce nous purifier, nous sanctifier. Car Seigneur, tu le sais, nous sommes pécheurs, indignes de toi et incapables de parler de toi. Mais si nous nous appuyons sur toi, tu agiras pour nous et tu feras éclater ta gloire en utilisant un pauvre pécheur tel que moi. Fais de moi seulement le clou qui attache ton image. Fais de moi aussi, ô Éternel, le micro qui résonne ta voix. Car sans toi, Seigneur, je ne suis rien et rien de bon ne viendra de moi. Agis de grâce en ma faveur. Humilie-moi si c'est là ta volonté et aussi si cela servira à faire éclater ta gloire et à édifier ton peuple. Déjà, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans mon cœur d'abord et dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. You are about to hear certain things this morning that are very
far from the conventional things that you usually hear. En pile là de nous entendre déjà, mais en pile là de nous voir déjà, mais je me propose de discuter de certaines choses avec vous ce matin. Et nous avons plus aimé parler de l'imatin dans le contexte de yon ti entretien plutôt que yon message. So, m'a demandé de nous suivre avec attention, because it might take me about 25 minutes before I get deep down into what I wanna get. Même pas perdu fil là, m'a connu côté m'bralé, just bear with me. Est-ce que vous d'accord avec moi? Et si m'te doué, bah on titre à message matin, I would entitle this message A New Beginning. A New Beginning. Mais juste avant, moi voulais remercier nous au nom de la famille Laporte, la sœur Julienne Laporte, et qui c'est la tante de sœur Sabrina, là, Sabrina Laporte. Et pour me dire nous merci en leur faveur, de ce que nous avons pris du temps pour nous supporter et prier pour la famille dans le cadre de la mort brutale et précoce de leur sœur Carole Surprise. Donc, c'est un terme qui affectait nous toutes, mais le Seigneur est bon. Amen. Donc, il m'a dit, il y a une belle carte pour nous, pour nous dire merci. Et je ne fais que vous transmettre leurs remerciements. S'il vous plaît, continuez à prier pour la famille. That's the card. Thanks so much. Et je dis nous un pile merci pour que nous ayons supporté l'Église, supporté famille, pour que nous ayons travaillé pour famille à travers ces moments difficiles. That's number one. Et moi, je voulais aussi remercier l'Église là au nom de frère Wesley Cherichel, de la famille Cherichel all together, pour toute prière que l'Église l'a fait en leur faveur lors du kidnapping de la petite fille qui avait été appréhendée par les brigands d'Haïti. Et nous disons, bon Dieu, merci, bon Dieu fait un gros miracle pour petit petit non libéré. Et l'Éternel voyait un ange, d'après témoignage de Frère Richel, bon nous hier avec Madame Ni, bon Dieu voyait un ange puissant pour venir veiller sur petit là pendant la mes brigade. Et l'Éternel montre ça, c'est affaire pas lié, c'est lui qui fait affaire encore. On voit un petit bon Dieu, ou respecter ça. Est-ce que vous avez bien aimé? Et grand pile monde qui a troublé les bagages à arriver, ben la parole du Seigneur nous dit le malheur atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre. So, frère Cherichel, mandez-moi au nom de toute la famille pour me remercier l'Église pour prière nous. Et puis pour support que nous avons famille en un moment difficile là. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Cherichel là, l'a regardé moi, là, frère Cherichel, fais-tu job là? All right. Béni soit l'Éternel. OK. Back in the Bible, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 1er et le verset 17, nous venons de lire ce qui se dit concernant la naissance de Jésus ou la venue de Jésus. Mais m'a invité nous pour nous lire ensemble avec moi à partir du verset 1er. Et n'a pas d'accord avec moi que ce n'est pas intéressant de lire ou de parler, de prêcher sur une généalogie. C'est parti dans la Bible là que très peu de monde prêche sur eux parce que l'irrébarbatif est rébutant. Parce que l'on regarde, il n'y a pas de match là-dedans si ce n'est que so-and-so bigat, so-and-so, so-and-so bigat, so-and-so. Son seul mot, son jeu là-dedans, c'est bigat, bigat, bigat. Et l'on bigat, bigat, engendra, les nerveux, ou qu'ils ont quitté ça. Et je ne peux pas nous mentir, il y a très peu de généalogie que je suis amené entièrement pendant l'homme de fait baptisé. Depuis que je suis là, je me dis ça, c'est skip chapter. I skip to the next one. Mais généalogie est extrêmement important. En fait, en généalogie dans la Bible, c'est il fait référence à lui-même pour deux raisons. Premièrement, il fait référence à lui-même pour être capable de faire une discovery.
c'est là où font grande découverte. Son découverte que vous voulez faire en dedans qui fait vous mettez dans la Bible là. Ou gen doit pas jamais lire mais là par lire tout ou perdu possibilité d'une découverte parce que gon bagaille qui la donne au pas jamais découvrir. Right? If you take time to read carefully those things, ou après comprendre gain un message extraordinaire la donne et que bon Dieu voulait ou comprendre parce que s'il pas un message d'Éternel pas mettre dans la Bible. Est-ce que d'accord avec ça jusqu'ici? C'est la parole de Dieu. Si l'Éternel mettait la donne, il est aussi inspiré que les prophéties. Donc, l'important pour nous bal signification. Number one. Deuxième raison, c'est ça qui fait un peu le monde skip it, parce qu'en réalité, le mot généalogie finit dans la Bible dans la perspective d'un raccourci. C'est comme ça qu'il définit. Une généalogie, c'est un raccourci. Ça veut dire, l'arrivée d'une phase côté où Pavlé baille 400 ans d'histoire ou bien 1000 ans d'histoire ou entre elles en une généalogie. Et généalogie, juste raccourci histoire là pour. Jean Boy ici de to make a long story short, that's what they do. À travers les noms, et mais yo ba ou non ça a fait un tel, un tel fait un tel, un tel fait un tel, mais ou même l'Europe li Bible là, ou après connait pour chaque nom ça yo gagne une histoire. Et si vous connaissez l'histoire pour chaque nom, ça y est, il vient permettre qu'on comprenne la généalogie. Est-ce que vous comprenez ça, me dire? Ah, ou pas là? Par exemple, je vais présenter l'histoire de Rahab au chapitre 2 du livre de Josué. Et nous lisons l'histoire de Rahab très bien. Mais là, nos généalogiens, ils nous Rahab, automatiquement, nous dit, oh, ok, ou capable de connecter l'événement. Les a mené David vini baou. Yo mette David dans le contexte Jesse. Jesse qui sortit de Obed. Ou pral automatiquement faire référence à Ruth la Moabite. Est-ce que nous suivons mes bien-aimés? So when you know the stories of those people, you pas besoin de toute histoire yo en détail encore because they are somewhere embedded in the Bible. Mais seul ça yo fait, yo bon know and once you get the name, the whole story came alive. Est-ce que n'avec moi bien aimé? So that's the value and the significance of en généalogie. Maintenant, Matthieu 1er, verset 1er dit généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Suis-moi bien, ça me va dire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. N'a pas d'accord avec moi que Jésus n'est pas le fils de David, mais l'arrière petit-fils de David. N'a pas d'accord avec moi. So they jump from Jesus Christ to David and from David to Abraham et avant David, Abraham gagne Isaac, Jacob, Judas. Est-ce qu'on avec moi bien-aimé? Et descend jusqu'à ce qu'il arrive à Obed qui pral by Jesse qui pral by David. Mais why do they jump from all these names from Abraham straight to David and from David straight to Jesus? D'aimer que nous comprenne. Dans le verset 6, nous pral voir que yo pral ba nous un petit peu plus dans l'histoire qui entre encore dans le cadre de la généalogie. Yo pral dire nous Obed engendra Isaïe engendra David et vous allez mettre le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Est-ce que nous suivons, mes bien-aimés? Il a pas dit nous un pile bagaille, mais si ça a dit nous, c'est des années d'histoire. Il a dit nous le roi David. Isaïe engendra David. Mais il a pas arrêté à David, il a dit le roi David. So, vous avez besoin de connaître toute l'histoire qui connectait à la royauté de David et comment. Yo fait dit nous que David pral engendrer Salomon et yo va dit nous Salomon de Bathsheba mais yo met sur autour de la femme du riz. So les yo du femme du riz, they bring about a whole story. Et si on dit Bathsheba, ou capable oublier toute l'histoire qui était venue avant la mort Uri. Yo mettait la femme du riz pour expliquer nous une histoire. Toute l'histoire est comme cachée dans ses paroles. Pour qui ça, c'est comme ça Matthieu commence? Premièrement, là, il dit généalogie, the word
le mot qui est utilisé en grec, c'est Genesis. Genesis, et c'est lui-même qui sortit dans le latin qui est Genesis, et Genesis, c'est lui-même qui va nous la Genèse. Est-ce que nous avons moins bien aimé? Ok? Et là, il dit Genesis, bibliographie, ou encore généalogie, généalogie, Genesis, Genesis, et là, il dit logia, genéa, génération, logos, ça veut dire étude ou bien livre. Donc c'est le livre des générations de Jésus-Christ. Ou encore, généalogie de Jésus-Christ pouvait être traduit comme le livre des différentes générations qui ont conduit à la naissance de Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi jusqu'ici? Est-ce que nous là? Ok. En d'autres termes, en grec, le mot devait être traduit par Biblos Genesis. Biblos Genesis, qui c'est exactement façon que, en général, il était qu'on introduit une série de livres dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on allait dans Nahum, il a présenté comme le livre en deux. Là, il a parlé de Job, il a dit c'est le livre de Job, Job chapitre en premier. Et plusieurs autres ouvrages, il a présenté comme un livre. Biblos. Sefer en hébreu, Biblos en grec, qui veut dire livre, qui veut dire book en anglais. Ça veut dire généalogie, hein, c'est un livre. C'est un livre qui présentait des générations. Par contre, si c'est seulement génération que tu as présenté, non, it would not make too much sense. Mais ça, surtout, vous voulez montrer, nous, c'est pas seulement généa, c'est génération, yo, mais vous plus voulez montrer, nous, le livre des origines. Parce que Genèse veut dire commencement. Est-ce que vous avez suivi? Si vous avez le Genesis en grec, il traduit le mot Toledot en hébreu, et Toledot qui c'est généalogie. Mais il n'est pas seulement traduit le contexte de génération, yon pile non, qui caractérise différentes générations, mais il est plus traduit l'idée d'origine. Parce que, ou après le que texte ça, il est connecté à Genèse, Genèse 2, verset 1er, ou encore Genèse 5, Genèse 2, 4, je m'excuse, ou Genèse 5, verset 1er. Pour qui raison? Parce que c'est des textes qui présentait des générations, mais plus présentait l'origine de certaines choses. Là, dans Genèse, chapitre 2 et le verset, nous parlons comment pour traduire. Dans Genèse, chapitre 2, il dit nous dans verset 4. Ok, Genèse 2, verset 4. Regardez, si nous gagnons avec moi, dans Genèse, chapitre 2 et le verset 4, il a dit ce qui suit. Il a dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Donc, le mot qui est ici, c'est même Moa, Toledot, c'est même Moa que vous mettez en grec, là, vous traduit Ancien Testament en grec par la Septante, qui parle de la Septante, c'est même Moa. Genesis. Biblos, Genesis. Là, vous dites, voici les origines. Mot origine, c'est Genesis. Cela veut dire que lorsque dans le Nouveau Testament aussi de Matthieu, vous mettez Genesis, ça veut dire que c'est même l'idée de la Genèse là que Matthieu a développée. Il s'agit d'origine. Genèse, dans l'Ancien Testament, le livre en soi, il traduit l'idée d'un commencement. C'est ça que fait le commencement de la création. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire que c'est un commencement. Puisqu'il s'agit d'un commencement, et Matthieu fait référence à même moi, Matthieu Gombagay, livre dit. Est-ce qu'on a suivi? Ah, ben dit bataille. Thank you. Matthieu Guillaume Bagay que le dit nous. Et Matthieu prend trois noms. Jésus-Christ, David et Abraham. Number one. Il n'y a pas obligé de mettre Jésus-Christ. Il était qu'à tout simplement dit généalogie de Jésus. Parce que lui on parler de Jésus. Mais là, on mettait le Christ. Cela veut dire que vous voulez préciser nous, que vous présenter nous la généalogie du Messie. Parce que Christ,
Christos, c'est lui-même qui veut dire celui qui est loin, de Messiah, en hébreu, de Messiah, c'est ça, il est le Messie, de Messiah. Ça veut dire, il a présenté nous la généalogie du Messie. Et parce qu'il a présenté nous la généalogie du Messie, il a connecté automatiquement à David. Pour quelle raison? Parce que David est le premier roi d'Israël de qui Jésus va descendre. Il n'est pas le premier roi d'Israël, le premier c'est Saül. Mais Saül pas arrivé mener à Jésus. C'est David que bon Dieu prallait l'homme selon son cœur, qui pral bay naissance à Salomon, Salomon pral bay naissance à Roboam, etc. jusqu'à ce que nous arrivions à Jésus. Donc, il a connecté Jésus à David. Mais là, il est arrivé sous David, il a dit le roi David. Pour quelle raison? Parce que il voulait montrer nous que Jésus ne peut pas être un Messie s'il ne descend pas de roi. N'avec moi. Parce que ça qui fait un Messie, c'est là où vient de la royauté. You must be royalty. Parce qu'on descend d'un roi, et mais parce que le Messie devait être un roi. Et pour capable roi, faut descendre d'un roi. Et roi, by naissance, a yon petit, petit ça pral hériter trône nan, et c'est de là, li pral vini, effectivement, ce Messie qui est venu protéger, délivrer et sauver la nation. Est-ce qu'on avait moins jusqu'ici? C'est ça qui fait, Léophine dit David, dans verset 6 là, il retourne pour dire, roi David donnera naissance, engendra Salomon. Parce que vous voulez connecter le messianisme de Jésus à sa royauté ou encore à sa descendance royale. Il est de descendance royale. David est celui qui pourra permettre la royauté rester en Israël jusque dans l'éternité. Saül aurait dû, mais Saül a péché, Saül a abandonné le Seigneur, il a abandonné la foi, God cut him off. From the line. L'imène David, qui malgré ses péchés, mandait pardon, confesser et mandait bon Dieu pour faire grâce, le Seigneur a fait grâce et a promis à David que tu resteras le roi pour des générations et jusque dans l'éternité parce que c'est de vous-même que Messie va le sortir. Therefore, Matthieu a prouvé nous que Jésus est dûment le Messie. Hello? Parce qu'il est de la lignée royale. D'une lignée royale. Number one. Number two. Matthieu connectait Jésus à Abraham parce qu'il veut aussi préciser le fait que le Messie est de la nation juive. Et Abraham, c'est le père de la nation juive. En sorte qu'il n'est pas seulement un descendant de David de la lignée royale, mais il est aussi de la lignée des Juifs, parce que Abraham est le père de la nation juive. C'est celui à qui la promesse a été faite que après gagner un petit tout, un sidou qui pourra contrôler l'univers tout entier. En sorte que l'Éternel te dit Abraham, levez-vous, regardez. Et ma pral bon, toute nation sa yo, y a vin nan men. Ah! Parce que gon paquet nation ki pap juive. Mais à travers Jésus, toutes ces nations seront connectées à Abraham. Therefore, Jésus deviendra non seulement l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham, que toutes les nations, Genèse 12, verset 1 à 3, nous songez verset ça, lorsque l'Éternel dit à Abraham, pars de la maison de ton père, de ta patrie, de la maison que tu aimes, vers un pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et tu seras béni entre tous les hommes de la terre, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sont à travers Jésus, la bénédiction du ciel, toutes les familles de la terre sont bénies. Et parce que Jésus est un descendant d'Abraham,
Donc la promesse qui a été faite à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et toutes les familles et qui acceptent Jésus, qui recevront bénédiction ciel là, il est celui par qui le monde sera sauvé, il est le Messie, il est celui qui apporte la bénédiction du ciel sur la terre. Therefore, la promesse qui a été faite à Abraham est accomplie en Jésus, et la promesse qui a été faite à David est aussi accomplie en... Est-ce que nous avons bien aimé? Gagnons un théologien qui approche différemment. Même les lions qui cassent forcer la note, mais ça vaut la peine pour nous suivre. Suive bien. Jésus-Christ, le mot, c'est le Messie. Messiah. And the first letter of Messiah is M. Est-ce que vous avez moi? David, la première lettre du mot de David, c'est D. Nous voilà. Nous là. Et Abraham, la première lettre du mot Abraham, il doit paraître comme A, mais ce n'est pas A lié parce que la première lettre là, c'est un Aleph. Et l'on prend Aleph là, c'est après Aleph là, il va ajouter A. Et il prend le bas où Aleph dit, ou encore Dalet pour David, et puis Meim pour Messiah. Ça prend le bas où exactement Aleph, qui est encore un esprit qui prend le bon Abal, et pour prendre le gagner D, ensuite ou prend le gagner M. Trois lettres ça, c'est eux-mêmes qui forment le mot Adam. Nous voilà. Aleph, Dalet, et Meim en hébreu, A, D, M. Hello? C'est lui-même qui bat le mot Adam. Matthieu fait avec une adresse particulière. Parce qu'il peut connecter la généalogie de Jésus à la création. Nous voilà. Et le premier homme qui prend la naissance, bénédiction et aussi malédiction à la terre, c'est Adam, le tout premier homme. Et parce que il connectait mot là, il mettait genesos, geneseos qui c'est généalogie ou encore origine, il connectait son histoire à la Genèse. Et si la Genèse Léoté mettait Adam, c'est le commencement de la création de Dieu. Matthieu pral connecter l'histoire de Jésus à la création de l'humanité. Et l'idée qu'on y est, l'humanité a été créée en Adam. Et Adam pral bat naissance à tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Mais lorsque le pral bat nous l'histoire de Jésus, le pral dit en Jésus, nous avons une nouvelle humanité. Une nouvelle création. Cela veut dire, c'est ça qui fait Jésus pral relé par Paul le nouvel Adam. Nous voilà. C'est ça qui fait connecter toi nous ça yo pour le banou l'expression adamique, le premier homme de qui nous sommes tous descendus, mais qui nous avons tous été bénis en Adam. ADM, ou alors pas Aleph, Dalet et Meim, ou encore l'esprit, et puis D, et puis M, et puis Léofini, yo pral di nou, même toute bénédiction ça, que bon Dieu te baille à l'humanité, que nous perdu en Adam, lorsque Adam tombait dans le péché, est-ce qu'on a suivi mes bien-aimés? L'Éternel pral reprend bénédiction ça encore pour nous, lorsque le ba nou Jésus, le nouvel Adam. Paul va préciser question ça. Et c'est ça qui fait Paul pick up on the concept of new creation lorsque Paul va dire dans 2 Corinthiens 5 17 celui qui est en remarquez pas dit celui qui est en Jésus mais il dit celui qui est en 2 Corinthiens 5 17 celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et certaines versions ne disent pas nouvelle créature, mais nouvelle création.
Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses, voici, toutes choses sont devenues. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul pral précise la question encore bien mieux. Lorsque le pral dit, nous autrefois, sans Christ, sans droit de cité, étrangers aux alliances, maintenant nous sommes ramenés à Dieu par le sang de Jésus. Cela veut dire la théologie du Nouveau Testament rencontre la théologie de l'Ancien Testament en ce qui a trait à la création et Jésus qui est venu accomplir la promesse d'Abraham, la promesse faite à Abraham ou encore la promesse faite à David, et Jésus est comme venu reprendre l'histoire de la création. Ça veut dire, ça que t'es la création à partir de la Genèse là, qui messed up mené nous jusqu'à Malakai, côté peuple là en captivité là, là on peuple en captivité, les besoins ont libérateur. Même gens, les Hébreux, les grands arrière-grands-pères de Jésus, ils étaient en captivité en Égypte. L'Éternel allait à main forte et à bras étendus, il utilisait Moïse pour la libérer. L'Éternel dit, nous en captivité, nous sous l'Empire romain, et les Romains ont contrôlé nous, les Romains ont martyrisé nous, les Romains ont pétri nous et n'a crié pour un libérateur. I'm going to send you a deliverer. Jesus. Cela veut dire que Matthieu rentre dans un contexte défini. Le contexte de la servitude. Le contexte de l'esclavage. Le contexte d'une libération qui besoin établie. Alors que autrefois, les pères, grands-pères et arrière-grands-pères de Jésus, la nation juive, étaient esclaves en Égypte. L'Éternel obligé de descendre. Et c'est ça que fait l'Éternel a terminé l'histoire de la libération en Égypte. Lui utilisait la 10e plaie qui c'est un agneau. La Pâque. Et qui devait annoncer Jésus, l'agneau de Dieu. Qui vient pour ôter le péché du. Est-ce qu'on a suivi, moi, bien-aimé? Therefore, puisque Moïse a la libération, hein, et c'est ça qui fait, Matthieu pral préciser que Jésus est plus grand que Moïse. Nous pas là, bien-aimé. Parce que Moïse a la libération de l'Égypte avec mon Dieu, mais malheureusement, il n'a pas suivi le programme. Moïse mourit et le libérateur a mouru par une garantie que le monde qui vient d'aide là a continué la bataille là. Et ça vient faire que, au lieu que yo fui, mais yo tourne back la captivité par les Babyloniens, yo tourne back la captivité par les Grecs, yo tourne back la captivité par les Romains, et qu'on y a Jésus pour venir du temps de l'Empire romain pour set his people free. One more time. But this time, I will set you free, but you will be free indeed. Si le Christ vous a franchi, vous êtes et l'Éternel libéré, pas de personne vagabond sous la terre encore qui est capable de mettre l'enchaîne encore. That's the context of Matthew. Let's bring about Jesus. Jesus came to fulfill a mission. The mission of setting you and I free. To fulfill a mission. A mission to break the yoke down. Et pour ba nous la liberté spirituelle. La liberté de quoi? De yon esclavage spirituel. Pas grand-rien qui a passé sous la tête depuis Genèse 3 qui pas gagné main Lucifer la donne depuis le négatif. Am I saying something that makes sense to you? S'il make sense, nous met dit amen, nous pas besoin paix. Nous pas payer pour ça. Et pas gagné monde qui capable nous cours si nous dit amen. Pas grand-rien qui a privé sous la tête depuis Genèse 3 qui pas gagné main Satan la donne.
N'avez pas bien aimé. Et c'est exactement ça Matthieu a essayé d'expliquer nous. Le monde a vécu l'enfer noir à cause des Romains qui contrôlaient la terre. Et la Rome a contrôlé la terre, c'est pas aujourd'hui, mais de tous les temps. Dans le Nouveau Testament. Et près de plus de 2000 ans, la Rome a commencé à contrôler la terre militairement, mais qu'on y a la terre en bas contrôle la Rome spirituellement. Nous voilà. So, what is Matthew trying to explain? C'est que la création qui a existé avec Adam sera renouvelée avec Jésus. Jésus est le nouvel Adam, ça veut dire the beginning of a new generation of people. Nous voilà. Cette génération qui était en Adam, qui allait dans le péché, qui perdit et qui mourit dans mauvaises conditions, Jésus will be the beginning of a new generation of people. And he's going to renew the covenant with mankind. He's going to renew the life that we once knew on the face of the earth. He's going to renew our reality. Et c'est ça qui fait que le Matthieu, c'est là nous pouvons jouer une série de réalités qui point back to the book of Genesis. Because Matthew is the new Genesis in the New Testament. Nous voilà. Matthieu, c'est la nouvelle Genèse du Nouveau Testament. Il y a la Genèse dans l'Ancien Testament où tout gravitait autour d'Adam, mais qu'on y a pris une Genèse dans le Nouveau Testament, et c'est Matthieu, et c'est raison ça qui fait que, bien que Jean commençait avec au commencement, même Jean avec Genèse, mais c'est pas Jean que il a placé au commencement, mais c'est Matthieu y a placé un commencement du Nouveau Testament parce que c'est lui-même qui picture mieux que toute bagaille, que toute l'autre livre, la réalité de new commencement. De nouveau commencement. N'avec moi, bien aimé, n'avec moi. Ma bise étudier question avec nous, tu classes plus en profondeur pour me arriver côté, me arriver ensemble avec moi, me barrer tant pis le temps pour me arriver là. Just bear with me a few more minutes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en Genèse, nous te gagné un Adam. Mais en Matthieu, nous gagnons un nouvel Adam. En Genèse, nous te gagné une création. Mais en Matthieu, nous gagnons une nouvelle création. En Genèse, nous te gagné une alliance que Dieu a conclue avec Adam. Que Adam messed up, qui fait le sabbat. Est-ce que nous avons mes bien-aimés? Mais en Matthieu, l'Éternel conclut une nouvelle alliance avec l'humanité en Jésus. Et c'est ça qui fait Jésus pas qu'à mourir l'autre jour que vendredi, le sixième jour de la création, reposer le septième jour qui c'est le sabbat, et pour lever bien vivant le premier jour de la semaine qui est dimanche. Parce que c'est la reprise de la création. Malheureusement, l'église catholique perdu dans une foolishness. L'elle annonçait le huitième jour. Il fait du dimanche le huitième jour. But there is no such thing. Parce que sous elle le huitième jour, ou obligé de parler dans qui semaine ou à parler. Parce que la semaine de la création, par exemple, il y a 8 jours, c'est 7 jours. Hello? Et soit parler de création, de recréation et de la nouvelle création, ou obligé de considérer semaine encore avec 7 jours. Et si semaine c'est 7 jours gagnés, le sabbat a toujours été le 7e jour de la semaine. Et sous style de Jésus, le nouvel Adam qui est venu racheter le monde de ses péchés, de ses vaines manières de vivre, sous style quoi que Jésus est le fils d'Abraham, sous style quoi que Jésus est le fils du roi David, sous style quoi que avec Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création, mais cela veut dire que l'Ipaka est une création totalement différente de la première. De l'Ipaka 8 jours. Are you following me? De cette histoire de sabbat chrétien, ça ne tient pas! Ceci n'existe pas, ce n'est pas biblique, ni pas théologique, c'est un nonsense spirituel. Le sabbat
il rentre dans le plan de la création. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec Adam. Et Dieu a conclu la même alliance avec le nouvel Adam. Et c'est ça qui fait les Jésus sous la terre. Il n'a pas jamais adoré l'un l'autre jour, mais le six sabbat de l'éternel. Ça, tu m'as dit, je vais chauffer. Oui, là, je vais le river plus fort parce que je ne vais pas faire effort. Suivez-moi bien. Là, nous arrivons dans le contexte, ça, nous pourrons comprendre la théologie de Matthieu à travers le message de Jésus. Là, dans Matthieu chapitre 19, il est venu à Jésus, il a posé Jésus la question sur le divorce. Est-ce que vous avez suivi? You are in Matthew. You're talking about divorce. How would you talk about divorce in Matthew? Et pour Jésus répondre à une question, il était capable de voir dans n'importe qui. Especially l'ouvrage d'Osée qui parlait du mariage au plus haut niveau, qui montrait adultère. Est-ce que vous avez bien aimé? Jésus t'a qu'à faire référence à Osée. Jésus t'a qu'à faire référence à Malachie. Jésus t'a qu'à même faire référence à Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament, qui c'est ouvrage qui présente l'amour à sa plus haute dimension. Mais Jésus pas considéré, yon nan ouvrage ça, Jesus pointed back to Genesis in Matthew 19. Il dit, qui sort, attendez, Moïse t'a dit dans Genèse. Moïse pas dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacha à. Et les deux deviennent quoi? That's Genesis 2, verse 24. Deuxièmement, Matthieu a présenté le baptême de Jésus dans un contexte vétéro-testamentaire, si vous me permettez de me dire ça. Je suis obligé de dire comme ça parce que vous comprenez. Vétéro qui veut dire ancien, vétuste, ancien, testamentaire qui veut dire testament, ça veut dire vétéro-testamentaire, ancien testament. Est-ce que vous avez bien vu? Vétéros. Attendez, lorsque baptême Jésus a fait, c'est pendant Jésus dans de l'eau. Pendant Jésus dans de l'eau, masse de l'eau, dans le Jourdain, que le Saint-Esprit est descendu sur sa tête. Est-ce que nous avons mes bien-aimés? Qui voyait nous back à la création. Est-ce que nous songez ça? Lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des. So, Matthieu écrit dans le contexte de la Genèse, dans le contexte de la création, il plaçait Jésus dans ce contexte pour dire nous que quel que soit ça qui t'est arrivé à cause d'Adam dans la première création, Jésus vient résoudre le problème non, et réaliser tout ça que nous t'es perdu dans Adam, nous pourrons gagner dans Jésus, le nouvel Adam. Et c'est ça qui fait. Dans Matthieu chapitre 8, il montre nous Jésus qui a marché sur les eaux, la mer, parce que il a rappelé nous que lors de la création, le Seigneur a colmaté la puissance des eaux. Et Jésus, comme le nouvel Adam, mais pas seulement le nouvel Adam, il va aller plus loin, il est le fils d'Abraham avant qu'Abraham fût. Dit-il, je suis. Où là? Est-ce qu'on là? Then, il voyait plus loin que Adam, que Abraham toujours. Et c'est ça qui fait Luc dans sa présentation de la généalogie de Jésus. Il n'est pas prêté à Abraham. Il va aller jusqu'à Adam. Et de Adam, il va arriver jusqu'à Dieu. Il va dire Jésus, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam et fils de Dieu. So, Luc va aller un petit peu plus loin. Parce qu'il va le pick up. On the theology of Matthew, pour dire nous que Jésus, il est le fils de David, ça veut dire le Messie. Il est le fils d'Abraham, ça veut dire le Juif à part entière en qui toutes les familles de la terre seront bénies. Mais il n'est pas seulement le fils d'Abraham, il est aussi le fils d'Adam. Cela veut dire celui qui est le commencement d'une nouvelle création. Mais au-delà de tout cela, il est le fils de Dieu, celui qui colmate les forces du mal pour l'établir une création nouvelle. Parce que Jésus comprend et Matthieu te comprend que avec la montée de la Rome, parce que Matthieu n'est pas n'importe qui. Tenez bien, Matthieu, son nom c'est Lévi. Lévi, c'est le nom du troisième fils de Léa. Matthieu Lévi. Cela veut dire que il y a
tellement ancré dans la tradition juive, Matthieu connaît très bien la prophétie de l'Ancien Testament. Et il connaît pour quelqu'un quatre grands royaumes universels. Le royaume de Babylone, le royaume médo-persan, le royaume grec et finalement le royaume romain. Et avec la Rome, ce sera la fin et la destruction de la terre. Selon Matthieu a écrit du temps de l'Empire romain, selon certains théologiens, le temple avait déjà été détruit lorsque Roméo boulait le temple, écrasait le temple. Matthieu déjà percevoir dans l'établissement du système romain la destruction spirituelle de la terre. Les forces lucifériennes, les forces de l'enfer. Nous pas là, bien-aimés. Les forces du mal. Et c'est ça que fait le pral présenter Jésus de cette manière qui t'est colmaté les forces du mal dès le commencement à la création. Et le pral vient encore pour colmater force Satan, Lucifer, mettez pied sous tête. L'elle marcher sous la mer. Pour nous montrer que nous t'endons une puissance. Tu te déclares le Dieu de ce siècle. Nous t'entendons dire, tu es le prince de ce monde. Moi-même, je vais monter, marcher sous tête ou camper sous tête. Pour me faire connaître que sous quoi tu es le Dieu de ce siècle. Mais moi, je suis le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Sous quoi que ce roi, prince de la terre, moi-même, c'est le roi de la terre. Frère Maxime, bien-aimé, ça me dit, ou pas que pour peu, les forces du mal qui a passé sous la terre, je dis, parce que depuis que Jésus, ou qu'il y a une puissance qui vient mettre Lucifer. Est-ce qu'on avait bien-aimé? Lucifer qui a utilisé les hommes. Mais bon Dieu qui a utilisé les anges. Lucifer a un pouvoir. Mais bon Dieu qui a tout pouvoir. Et il est toujours là. Quand les Lucifer a passé, mais Jésus n'a pas passé. Est-ce que nous avons bien aimé? Now let me close with quickly with two more points and I'm going to sit down. The first one is Matthew will tie up Jesus into a concept of fortune. En général, 14, c'est le symbole d'une génération. Généralement, yon metel une génération variée entre 35 à 40 ans. Chaque 40 ans, you have a new generation. Même nous, aujourd'hui, par contre, ça allait encore chaque 5 ans, une nouvelle génération sur la terre. Eh bon, je ne pense que c'était chaque 5 ans, pas même chaque 5 ans, encore chaque année, on a une new generation of telephone. Et pas ça? Chaque année, une nouvelle génération vient. The first generation, qu'on a qui génération nous est? 13e génération? Nous sommes 13e génération téléphone. Cela veut dire, génération qui te compte prend 35 à 40 ans longtemps pour le venir, hein, lui prend un an pour le venir aujourd'hui. Nous voilà. And do you know why? C'est parce qu'en hébreu, il y a une science qui est la gématrie. Comment vous l'avez? Répétez. C'est pour nous sortir de là pour nous dire gros mot, pour nous dire au côté qu'on aime ça. I'm sorry. Gagnons science sur la gématrie. I'm trying to unveil things to you today. La gématrie, c'est la science qui étudie les noms en vertu de leurs lettres et qui accorde une certaine valeur numérique à chaque lettre du nom et qui pourra permettre que vous gagnez une signification, un nombre, et le nombre est révélateur. Nous voilà, bien aimé. Par exemple, lorsqu'on allait dans l'Ancien Testament, il a présenté le livre de la génération des enfants de Jacob. Il a parlé de comment la génération Jacob l'a sorti, et il a mis le chiffre 7 en exergue. Il a parlé de ceux qui ont laissé la Palestine pour aller en Égypte et qui étaient au nombre de 70. 70, c'est 7 times 10. Vous l'avez bien aimé? Et il a dit que il y a 7 générations presque. Et là, il a parlé de tout Timounio, il est arrivé à Gad, il a mis Gad dans la 7e position. Il a dit nous, Jacob avec Rachel fait 14 Timoun. 14, c'est 7 times 2. Et là, il a présenté Timoun Jacob, il a mis Gad au milieu, au centre. Et au centre, lorsqu'il a un pour arriver dans 14, regardez, il a mis Gad au centre parce que Gad, c'est 7e nom qui paraît dans le livre là.
dans généalogie ça. Et là il vient avec septième nom GAD, l'on prend valeur numérique GAD, c'est G avec D, G c'est en réalité, c'est 3 en hébreu, G gain valeur 3 en hébreu et D gain valeur 4 en hébreu. L'on gain 4 plus 3, libre 7. GAD c'est le septième enfant et mot GAD là veut dire 7 et yo mettez dans septième position. Ah, c'est la gématrie. Est-ce que m'bannou trop matin? Mais continuer. OK. Côté m'vle rive avec vous, c'est là m'vle rive. Remarquez que dans verset 17 là, il précise que d'Abraham à David il y a 14 générations. De David à la déportation il y a 14 générations et de la déportation à Jésus il y a 14 générations. Cela veut dire après chaque 14e génération, il y a une nouvelle génération. Nous voilà. Est-ce que nous suivons? Pour qui ça fait ces 14, je compte? C'est parce que c'est un conteste qui est sur la terre entre la royauté du diable et la royauté de Jésus. Jésus est le roi, le Messie, c'est ça Matthieu a présenté nous, mais qui pourra l'obliger réduire au silence celui qui se dit le roi de ce siècle, Lucifer. Et c'est ça qui fait lui présenter David, l'arrière-grand-père de Jésus, comme le roi David. Pour dire que nom ça, qui a vu une crasse tête serpent, selon la prophétie de Genèse 3:15, et pas n'importe qui monde, mais son roi lié. Si Satan comprend ni roi, mais nous jouons une bouchon lié. Nous devons mettre quel, parce que le monde qui a fini, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas un profane, mais il est le roi, pas n'importe quel mât, pas n'importe quel roi, mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Jésus le Christ. Et c'est ça, Matthieu, pour le faire, il connecte Jésus à David, parce que l'on prend David. David, c'est D-V-D. D-V-D. Parce qu'on prend un A comme Da. Et I comme vide, mais ça aussi voyelle, yoye, consonne, voyelle, yo pas yo pas yo valeur numérique, c'est consonne qui a valeur numérique, parce que autrefois, hébreu a pas de voyelle là-dedans, c'est consonne tellement qui là-dedans. C'est pour yon qu'à l'île, puis devant, après la déportation, que yon mette voyelle là-dedans. Mais autrefois, c'était consonne. Là, yon t'apprend le David dans l'Ancien Testament avant la déportation, pas de gagner bagay comme ça. Là, yon est da, D, V avec D, ou connaissez David. Là où est G avec D, où connaissez GAD. Est-ce qu'on a suivi, moi, bien-aimé? Ah. Et David, la valeur numérique de David, c'est D, qui c'est Dalet, en hébreu, Dalet, en hébreu qui veut dire quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. V, qui c'est Vav, qui c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque. Et T qui boit David là, c'est quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire qu'il y a quatrième plus sixième plus quatrième. L'on mettait 4 sur 6, libre 10. Ou mettons l'autre 4 sur libre qui ça? Den l'éternel taille up. Génération ça, ou Matthieu taille up. Toutes les générations de la terre, depuis Abraham, le père de la nation juive, jusqu'à Jésus, le dernier juif qui viendra sauver l'humanité, l'Ibrahim mettait autour de 14 générations times 3. Et c'est ça qu'il mettait Jésus au commencement, il mettait Abraham à la fin, et puis il mettait David au milieu. Et c'est ça qui pourrait permettre qu'il y ait 3 noms times 3. Et chaque nom sa yo, entre yo même, il y a 14 générations. Cela veut dire que, ça me veut dire, tenez, derrière chaque 14 générations, il y a une nouvelle génération qui peut paraître. Une nouvelle réalité. De Abraham à David, 14 générations. Et après cela, génération David là, pral bay naissance à une autre génération 14. Ça veut dire, après David, ou pral gagner une 15e génération. Nous voilà. Après David, ou pral gen yon 15e génération. 15e génération. Et après la déportation qui 14 générations, ou pral gen yon 15e génération.
Et après la déportation, là yo retourné jusqu'à Jésus, ou pral gen 14 générations et avec Jésus ou pral gen la naissance d'une 15e génération. Are you following me? Ça veut dire après chaque 14 générations, il y a un nouveau commencement, une nouvelle genèse, de nouvelles origines. En qui ça ça important pour moi aujourd'hui? Pour qui ça ça significatif pour moi? Je mets tout yem de main, même que tu as dit net. You must know que ça qui passe sous la terre aujourd'hui, c'est pour un bagage normal. Et tout le monde, comme si m'dado, son bagage naturel, son bagage normal. Et c'est tellement normal que nous tombons malades. Les nous finissons malades, nous guérissons tête nous. Nous retombons malades encore. Nous sommes OK avec nous, guérissons tête nous. Et non seulement ça, les gens disent nous, même, les gens malades, haïtiens ont un défaut. Haïtiens ne peuvent pas aller au docteur. Haïtiens, c'est l'anté ou quoi. Yo boit règle yo même s'il fait du bien gagne mourir c'est vrai parce que pas le docteur et puis gon paquet de colonne haïtien éclairé à la vérité me respecter yo c'est professionnel yo dit non sous mon problème c'est le docteur pour aller and there's nothing wrong with that parce que et pas toute bagaille té café hello ah parlave nous t'attendons pour me dire mon ça au cap dire le docteur c'est il faut loyer non m'a dit ça bon Dieu bail médecin yo intelligence et formation pour faire travail dans la mesure que yo gagne une conscience professionnelle et yo gagne la crainte de Dieu parce que gagne pile qui pas gagne conscience professionnelle gagne pile c'est l'argent qui a défendre gagne pile qui a poussé en direction parce que les bénéficiaires yo. Si c'est pas de ça, pas d'abgué l'histoire de la femme avec sa perte de sang depuis 12 ans. La lettre, tout médecin, yo mangé toute l'argent, les malades pire, c'est Jésus qui vient délivrer. Ça veut dire, m'a dit personne monde était loin docteur, mais m'a dit on vont aller, on vont faire na one one, relais le ciel d'abord. Parce que qui m'pap dit tout c'est comme ça. Non, m'pa ka dit ça parce que l'Éternel ba yon intelligence, gen qui respecte bon Dieu, gen qui gen la crainte de Dieu, k'ap travaille pour le bien-être de l'humanité effectivement et k'ap fait tout ça dépend de yo pour aider au vivre une meilleure vie. Est-ce que avec moi bien-aimé? Ou t'a mourir si c'est pas toi même? Si c'est pas toi que fait opération ou pas t'a vivre. Est-ce que nous la bien-aimé? Moi respecter la science médicale. But nous devons admettre aussi qu'on colonne vol là-dedans. Gon colonne, c'est pas santon yo wè d'abord, mais c'est poche yo wè d'abord. En sorte que avant ou courir la direction yo moun, al chèche qu'on est what's in it for him or for her. Parce que le monde rive l'on point qu'on y a côté, c'est l'argent qui parle avant l'homme. Si ça m'a dit, c'est mentir, tout le monde a bien assurance sans goumè. En pile fois aller en côté yo dit yo pas commencer moyon pas avant qu'on bail quatre assurances. Et si assurance n'a pas approuvé médicament ça docteur a pas baoul. Nous pas là. OK, ça veut dire attendez. Après chaque 14e génération, gon 15e génération qui monte, et 15e génération, ça, c'est lui-même qui va changer tout bagage du tout au tout, et c'est avec nouveauté pour commencer. Pas oublier, me dit nous, Genèse, c'est un commencement, mais Matthieu, c'est le nouveau commencement, le commencement dans le Nouveau Testament, dans New Beginning, avec Jésus, tout a recommencé. Est-ce que vous avez bien aimé? Why do you think que dernier virus qui sortit sous la terre, il y aurait le Delta. Et après Delta, vous tombez là, Omicron. Tout le monde qui a une
connaissance en grec connaît que après del, après d delta en grec c'est pas omicron qui vient. Why do they skip all these letters and get to omicron? Na avec moi? Non pas avec moi. OK. Delta in Greek, c'est l'équivalent de la lettre D. Pas bon ici. Mais le wap écrit en grec, il semble être coupé avec un triangle. Son trilogie. Triangle ça, l'on analyse très bien, il semble être un coup de goutte de l'eau, avec ça nous avons appelé en trinité. Vous avez? En trinité qui est capable d'être divine, or satanique. Nous on j'aime dire nous que génération était qu'on prend 35 à 40 ans mais qu'on y a eu prend un an parce que the Hebrew word ha satan qui bon le mot le diable le satan leur fait valeur numérique dans la gématrie l'égal à yon année moins un le satan. L'on fait valeur numérique, lettre ça, mot ça, l'on retire tout aïe, la donne, lettre au gagnant c'est H, S, T, N, l'on connecte yo, l'égal à 359. Ou encore, nous comprenons clair, ça me veut dire, pas vrai bien aimé. Génération yo kounya yo, pas qu'à 35 ans encore, ni 25 ans, ni 20 ans, ni 40 ans, c'est chaque année gon génération. Parce que, le diable, derrière, on sait de bagaille qui a rentré dans la technologie aujourd'hui pour mess your mind up. Il n'y a pas qu'à pour le temps 25 ans avant de venir avec the new technology that will lead you to hell, il est obligé de multiplier chaque année. That's number one. Deuxième, delta, c'est un triangle. Là, ce triangle peut être ou bien divin ou bien satanique. Mais le fait que nous connaissons dans quel contexte il sorti, nous connaissons ça va venir de bon Dieu. That's number one. Omicron, en grec, c'est une valeur aux yeux, un œil, un œil, un œil. Et l'on mettait l'ensemble. Mais c'est littéralement 15e là. Et là, on prend sa valeur, Dieu ça, dans la littérature grecque. You drag it to the triangle. What do you have? Vous gagnez un triangle, et vous prenez un omicron, delta et omicron, vous mettez ensemble. Libao and I in a triangle. Now, secondo là, n'a pas chaud, râle. Et là, râle d'où là, n'a pas chaud. Même j'aime gagner là. Ou après, je viens là. Gagner un triangle là-dedans. Hello. Et gon gringé. Bon côté. Cap gérer une série de bagailles pour. That's the ever seen eye of America. C'est ça qui fait ouvrir les têtes, le gendarme de la terre. N'a pas suivi, bien aimé. Ça qui en grec là, la 15e lettre, qui ouvre le virus jodia. Et jodia, personne ne connaît le dernier virus qui a un problème là. Y a tout son mélange de delta à omicron. Et pas ça? OK. En latin aussi, 15, c'est le sens, il y a un sens, le nombre 15 à Rome en Italie, il n'y a pas qu'un bon sens positif, il y a seulement un sens criminel et satané. Nous pas là. Nous pas là. On nous mettait ni grec ni latin de côté en entrant dans l'hébreu. En hébreu,
La 15e lettre de l'alphabet hébraïque aussi, c'est Samek. Samek, c'est un S. Thank you, my man. Thank you, thank you, thank you. Ah, monsieur, next, vous prenez ça à la même, oui, famille, vous prenez ça à la même, c'est la technologie, monsieur. Vous prenez ça à la même, oui. Bon Dieu, béni, non, monsieur. Est-ce que nous, ça m'a dit, nous, bien aimé, nous comprenons ça m'a dit? So, what you have, ou entrer dans le domaine du diable avec le nombre 15. Il n'est pas seulement en grec, il est aussi en latin, mais lorsqu'on dans la tombe dans l'hébreu, la première langue, le nombre 15, c'est Samek, et Samek, qui c'est 15e lettre là, c'est un S et en la forme d'un cobra ou encore d'un serpent. N'a fait quoi? So, l'Éternel a parlé de Dan, qui c'est jugement. L'Éternel dit, Dan sera comme un serpent. Et c'est ça qui fait nous, dans l'Apocalypse, il n'y a pas metté dans toute tribu, il n'y a pas considéré la tribu de Dan. Et 15, c'est symbole du serpent, la 15e lettre, 100 mètres, that bite you. Et c'est ça qui fait les traverser le désert pour yon rentrer en Canaan. Les yon révolté contre mon Dieu. Gon paquet serpent boulant kap morde yo, kap détruit yo. Mais qui ça l'Éternel fait? L'Éternel dit Moïse, met ton serpent sous bois. Un serpent de rein qui c'est le symbole de la victoire de Dieu sur la puissance du diable. Pour peuple capable rentrer en Canaan. Hello! Ça veut dire serpent de mettre mauvais, Jean le mauvais, mais l'Éternel a une façon pour contourner force Lucifer pour moi avoir capable rentrer en Canaan. Et pour qui ça? C'est 15 ça qui est aussi important aujourd'hui. In fact, nous avons dit ça déjà, nous avons parlé sur le sanctuaire. L'on prend Samek qui c'est 15, qui c'est 15e lettre là, son équivalent numérique, parce que lettre yo gagne valeur numérique yo quand ko chiffre main yo. Cette lettre valeur numérique Samek là c'est 60. Et l'on prend 60, vous mettez dans la Bible là, ou après aller chercher 60e verset qui dans Bible nous dans Genèse. Genèse 1er, il y a 31 versets. Genèse 2, il y a combien de versets? Non, pas songer. 25 versets. Genèse 1er, 31. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était. Genèse 2, verset 25. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'eurent point honte. 25. Et l'homme prend 31 plus 25. Regardez-vous dans Genèse 3, combien? Dans Genèse 3, où il y a le serpent rentré dans la ligne. Et 4e verset, après 56, qui est 60e verset, il dit non. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 60e verset dans la Bible, c'est Lucifer qui parle. Nous voilà. Nous voilà. Et c'est le premier menti qui baille dans la Bible. Et c'est menti ça qui mène moins avant côté nous là aujourd'hui. C'est la première parole Lucifer prononcée qui contraire à sa bon Dieu dit. Et depuis laissa l'humanité commencer à dégénérer. Nous avons aimé que nous l'ouvrions les yeux pour nous comprendre. That what is going on the face of the earth since the beginning of COVID is a network of lies. Pas grand rien que yo di ou sou bagay sa, nan nouvelle, nan journal ki vérité. It's all a lie. Les vaccins t'ap vini, yo te di nou yon bagay pou nou pran vaccin. Les nou fin pran vaccin, yo te di nou yon lot bagay. Et là, nous finissons de nous deuxième magasin pour nous forcer nous prendre deuxième vaccin. Nous, elle est nécessaire pour nous prendre deuxième vaccin en vertu de ça, yo dit nous. They lie about the number of people that are dying.
of COVID. They lied about the people that are affected by COVID. They lied about the tests that come already positive. Et puis, well, you faut tester. Et puis, you do ou gain quantité. They lie about putting an app on your phone qui pour contrôler sous exposé à moun qui gain COVID. Cela veut dire que l'on application dans téléphone qui dit qu'on connecté avec 25 moun. 25 moun ça ou gain droit en parfaite santé. Mais le fait que yon moun la donne, t'es exposé à un moun qui te gain COVID. Tout 25 moun ça ou qui l'en network ou a, yon tout yon décrété yon gain COVID. Et c'est comme ça you pop up the numbers to scare you. Ça veut dire you gen droit décider moi-même moi gen 600 moun dans l'église à me connecter avec. Béaka 1 et 2. Moi connecté avec 6 frères et sœurs que me gen. Frères et sœurs ça yo même tu gen droit connecter à 500 moun each. Et 500 moun sa connecté yo chaque à 200 moun. 200 moun sa yo chaque connecté à 800 moun. Ou ka imagine yo quantité moun qui nan circle moi et avec application. Depuis yo konnen gen yon moun qui te diagnostiqué avec COVID. Parmi mitan moun sa yo non en dehors de ce groupe. Tout moun sa yo net rentre dans statistique comme moun qui exposé qui gen COVID. Alors que tout le monde bien. Il est au nom de ça, il dit en une journée, COVID monte à 1 million. Mais est-ce qu'on a garanti que c'est 1 million qui a COVID? But that network and web of lies, that's what got people to be vaccinated like crazy. You commence à faire nous comprendre que, attendez, sous un petit grand monde, la carou vaccinée. Parce que l'on vaccinée, la bien possibilité pour louer avec tibi li encore. Li pas pour jeune, li pas pour ti moun, et pour grand moun yo, et pour kembe la vie grand moun yo. Pour yo capable continuer la vie sociale yo avec petit yo, conserver la vie familiale. Et puis yo dou, al fait grand moun yo vaccinée. Mais ça yo pas comme dou, c'est que grand pile grand moun ka mouri ou pas comme kon grand moun ki mouri. Yo faut qu'on ait grand pile moun ki affecté par COVID, mais yo pas jamais dou combien moun ki mouri à cause de vaccin. Why can't you know that? Don't you realize? Yo bon premier mentir sur premier vaccin. Yo bon deuxième pour deuxième non. Yo bon troisième chaque vacances pour arriver, chaque holiday pour arriver. Yo tout oh, bagala pour augmenter. Et puis yo computerise une série de bagaille, yo ni juste rentrer des nombres forfaitaires et puis yo tout la tête virée tête en bas, c'est pour nous un vaccin. Remarquez que chaque vaccin, premier vaccin sorti en novembre décembre. Pour qui ça novembre décembre? Parce que c'est là ça pour gagner Thanksgiving and Christmas and holiday season. Laisse mon a voyager ouais parents yo et puis yo capitaliser sur ça yo dit ouais il a été prendre envahi avec COVID. Then you build up your case pour yo bon vaccin en janvier. And we took it. Chacun pour gagner holiday encore, chaque 6 mois yo venir avec un scandale encore. Qu'on y en a sous 4 vaccins. Le dernier vaccin ça y a fin avec. Your build up of theory. Yo te commencé avec menti dit c'est moun qui pas vacciné qui mourir dans l'hôpital avec vaccin, qui mourir dans l'hôpital avec COVID, sous pas veut mourir moun qui vacciné pas prend maladie, c'est moun qui pas vacciné prend maladie. C'est yo qui pack up the hospital. Mais jodi a nouvelle tout partout a sorti que c'est moun qui vacciné qui pack up the hospital qui mouri avec lui menti yo a prend la rue parce que la caille dit moi tout menti pas fond. Bien-aimé, and that's the close of it. They will lie to you until they get you all hooked up. Until they get you where they want you to be. Et là, yon fin menon kote yon vle menon yon lan. It will be a point of no return.
Et là, ça, il n'y a pas besoin de bon mentir encore. Il y a toujours la vérité à Jean-Lié. L'on fin déjà gagné près de 2 billions de monde qui sur la terre qui vaccinés. On l'autre chef d'État pas de problème pour dire vaccin détruit immune système. Mais bagay ça c'est bagay monde qu'on a dit depuis enfant vaccin prend la rue. Mais tout le monde te dit oh non, c'est terroriste. Mais je dis ya, it's coming out clear. Frère Maxime bien-aimé, and what if that has something to do with the 50th? What if all of that has something to do with where they want you to be and to go? Le monde a marché vers une réalité. La réalité de ce monde, c'est qu'avant longtemps, le monde s'en a donné là, nous ne pouvons pas connaître avant. You will not. You will no longer recognize the world in which we live now. They lied to us enough. Yo ba nou assez menti. Nou poko jam comprendre. Et nou accepter tout ça ou ba nou. Gouvernement a bataille avec gouvernement. Gouvernement sa di on bagay, l'autre gouvernement dit c'est pas vrai. Et personne ba on kote nou gade. Mais nous même, le yo di les éléphants a bataille, c'est Zeb qui souffre. Nous même c'est zèb nouyé éléphant à bataille en l'air grand nèg grand prélat nèg millionnaire billionnaire à bataille en l'air mais nous même en bas c'est nous qui a payé pour casser et ça pire là blanc noir campé c'est les fin tuer 50 billions noirs il y a tué 10 blancs et ça pire c'est les fin tuer 50 000 haïtiens il y a tué un grain noir américain. What I'm trying to tell you my people, c'est que the lies, c'est ça qui commence à pécher sur la terre. Et c'est avec menti ça où la terre a fini. Ou même sous intelligent, on va réaliser qu'on a besoin de vision. Et it's not a matter of faith anymore, presque je dis. It's a matter of conviction in God. C'est pour connaître ce qui sort campé. C'est pour connaître pour qui sort sur la terre. Je dis à bien-aimé, everything is kind of artificial. And you call it COVID-19? Check it out. COVID could also stand. COVID could also stand for card C of O V vaccination ID. What if c'est ça le vle dit? Yo balon non maladie coronavirus et puis ça le vle yo déguisé comme le diable se présente comme ange de lumière et puis all they want it is for each and every one of you to be vaccinated and to have a card of vaccination ID. Jodia, everything is ID. Not too long ago, Pentagon créer un chip pour yon capable bay tout le monde pour yon ka déterminer sou vacciné ou pas parce que yon suspecte gen moun ka pran faux 4. Si yon ka get 3 billion people to be vaccinated, or do you think it will be difficult for them to get 3 billion people to be chipped? I am closing with pain in my heart. My heart is sore. Bien-aimé, you are set up. And you think you are living. But you are set up. Menti tout autour de nous-mêmes. Et gon seul côté autant de vérité. Mais c'est côté yon parle au vini. C'est l'empire bon Dieu. Bien-aimé, everything around you now is artificial. COVID, card of vaccination ID, and 19, l'open 19 is 19. One, listing for the letter A in the English alphabet. And 9
is the ninth letter of the English alphabet qui par l'autre bagaille que I ou encore I ou encore en français A I. I stands for just one thing. COVID-19 card of vaccination ID towards artificial intelligence. A artificial I intelligence. Now bien aimé, avant longtemps intelligence ou pral messed up parce que le monde pas voulait intelligence naturelle là encore. Yo veut tourner vers une intelligence artificielle. Même gens le monde pas voulait gagner système immunitaire naturel ou encore, yo veut un système immunitaire artificiel. La Chine pas trop longtemps de cela créé un soleil artificiel. Et lui présenter. Bien-aimé, couteau à privé. And that's what I come to tell you. This is a new beginning. Les hommes de la terre veulent créer un nouveau beginning pour vous. Ils veulent changer your way of life. Ils veulent réduire la vie à ça, ils veulent lié. Ils a changé tout ça qui était dans la vie où j'en mangeais, j'en bois. Yo retire jan manje an te fait naturellement, yo met une série de GMO la dan, yo synthétise tout ce qu'on mange, kounyan yo plein de l'eau avec produits chimiques, yo plein manger avec produits chimiques, ou ap mouri avec cancer ou pa konn sa kap tue ou, la vie artificielle. Parce que yo vle yon l'autre monde sorte avant yo pa vle ça encore. Yo vle robotiser ou yo vle pas moun encore yo vle tout non robot les ou à droite les ou à gauche parce que tel ça au besoin c'est peser un bouton depuis on pèse un bouton ou pas même moun ou té encore c'est gado gado à fond pas même pour quelle raison à faire artificial intelligence. That's the new year and that's my first message to tell you. Le monde a un plan de nouveau commencement pour la terre. Qui doit probablement achever en 2030. Nous sommes en 2022. Combien de nous sommes vivants pour 2030 là pour nous rentrer dans le nouveau monde? Nous ne connaissons pas. Mais si nous ne sommes pas vivants pour nous rentrer dans le nouveau monde là, nous avons besoin d'une garantie que si nous mourons demain, si tu veux, nous avons une possibilité de résurrection. Et seul chose pour s'arriver, c'est pour nous tourner un monde nouveau en Jésus de Nazareth. Le monde a recommencé la terre à leur façon, mais l'Éternel dit, et je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Where do you stand? Where are you going? Beraka 1, Beraka 2, Beraka 3. M'pa kwèm intelligent, m'pa kwèm gen connaissance. Je ne crois pas que je fais, même je crois que bon Dieu va me livrer du matin. You can listen to it, to hear God's voice, et pour connaître qu'avec Jésus, il y a un nouveau commencement pour nous. Si parce qu'on est haïtien, il n'y a pas besoin de sous la terre encore. Parce que c'est haïtien, même si l'Éternel a l'autre commencement pour nous. Si parce qu'on est, il n'y a pas besoin de sous la terre. L'Éternel voyait me dire qu'il y a un recommencement pour vous en Jésus de Nazareth. La 15e génération, c'est cette génération en Jésus. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Can I tell you that you've bien aimé? Que ou même qui grand monde, la terre pas besoin encore. Yo voulez tout yer. Parce qu'il n'y a pas besoin ou coûter trop. Même bien dire, si la terre n'a pas besoin encore, bon Dieu dans le ciel a s'il besoin. There is possibility of a new beginning for you. And the new beginning is in Jesus. Texte l'a fini avec Jésus. C'est la 15e génération. La génération des chrétiens. La génération des sauvés. La génération des rachetés. Et nous tous prenons le ciel avec Jésus. It's up to you to get ready. It's up to you to prepare your life. Or it's up to you to get into their plan. Parce qu'on croit que le monde a un bon plan pour vous. Mais je regrette ça. Les tout bagaille fin dit. Les tout bagaille fin fait. Les ça ou après chercher yon moun qui te dit yon bagaille pour dire apporte ap di la vérité. It will be too late. Today is the day to start a new beginning with God. With Jesus Christ. Mettez éternité dans la vie.
Mettez l'ordre dans la vie ou. Rangez cause ou suspend tant de moun ka bon menti. Faut faire bagay ko pa dwe faire. Tout simplement parce que yo faut croire bagay la normal. But bien aimé, gon seul moun ki pa bon menti. Li rele Jésus de Nazareth. Connecté avec Jésus. Rangez corps. Rangez la vie ou. Faire éternité rentrer dans la vie ou. Avec Jésus. Et soyez sauvés pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse.